c'est son grand retour aujourd'hui. Mais donne-moi la main, Tarasse. Il est là. Attends, la lumière est pas bonne. Là, là, elle est bonne. Bonjour, vous me reconnaissez? C'est un moment que vous m'avez pas vu. Hein. C'est moi, Sean Norris. Bonjour, vous me reconnaissez? C'est moi, Sean Norris. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir. Donc, vous pouvez voir mon état physique. Voilà, donc au moment où je sors cette vidéo, soit il a déjà sorti la sienne, soit elle va sortir d'ici quelques jours. Théo, tu vas être gentil avec moi aujourd'hui. Non. Que du sale. Putain, j'ai craché. Le troisième protagoniste est arrivé. Il est l'heure de commencer la séance. Vous êtes chaud? Oui. Première série. Prêt. Ok, entraînement terminé, on a attaqué Wolf, tout le monde est présent. Mais non. Quand tu dis que manger 100 grammes de glucides, c'est d'aliments glucidiques, gros, et ça a toujours été comme ça dans tous les programmes. Ça veut dire qu'avant je mangeais trop, beaucoup trop. Imagine, ça veut dire que tu devrais tout le temps faire des calculs. Ouais. Parce qu'il n'y a pas le même taux de glucides dans les pâtes, le pain, le riz, le machin. Non, c'est aliments glucidiques, aliments protéinés. Ouais, mais justement, aliments glucidiques, c'est-à-dire que si tu prends 100 grammes d'un glucide de merde, tu vas avoir que 100 grammes de glucides. Oui, mais c'est pour ça qu'après on te dit les meilleurs glucides. D'accord. Alex, il n'y a que le retour. Les pâtes sont en train de cuire, la viande est là, la ratatouille est là. Et voilà, tous les macros sont respectés avec cette assiette, même si on dirait pas, mais si. Redis-le devant la caméra. C'est bien bon, c'est délicieux. En plus, ça te fait une bouche. Sois pas jalouse, toi aussi. Ça t'avait manqué? Bah, je t'avoue que j'ai pas trop envie là. Autant hier avec les pecs, j'étais motivé, mais là, j'ai pas trop envie. Bon, en plus de prendre des muscles, il faudra prendre du soleil. Et du gel à Carrefour. C'est parti, on commence avec les squats. Oh, le quoi? Qui reconnaît ses chaussures? Ah, c'est peut-être du marathon ça. Mais laisse un peu de suspense. Si pour Gryffondor. Les dernières fois que je les ai mises, je pouvais pas marcher le lendemain. Je rappelle, ses fesses mordent son short. Regarde ça. Ouais, Jamy, on t'a un fils, comment s'appelle-t-il? Je sais pas. Mais dis-moi, Jamy. Ça va les gitanes? Coucou. C'est clair. C'est vrai qu'on fait un peu gitane là dans notre vanne. Bonjour. Ouh là 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 là. Donc les filles nous ont amené les outils. Et alors? Oh là là. T'as vu sa blessure? Ah mais tu l'as vu l'autre jour sa blessure? Alexandre. Ouais. Alexandre. Le poulet. Qu'est-ce que tu fais? Le poulet. J'ai coupé moi-même, bon, j'avais du morceau de grain. Ah ouais, c'est vrai? On a fait des petits poivrons. Ouh, ça c'est beau ça. Si je puis me permettre, pardon. Hop. Voilà, là c'est mieux. Là c'est le vrai Alex. Là c'est le vrai Alex. Le stylé. Allez, on passe à table au milieu du chantier, mais on passe à table comme d'habitude. De toute façon, moi quand je suis là, on va pas dehors. On reste à l'intérieur. Voilà. Falafel, steak haché pour Raph. Il y a du poulet, il y a des poivrons et il y a
des petits tortillas pour faire les faritas là. Donc c'est de blé, hein, c'est pas de maïs, attention. Et ça, c'est de l'avocat. Moi j'ai le droit parce que je fais light. Raph il a pas le droit. Et moi j'ai un steak tartare à la place du steak semelle là parce que lui il aime pas quand c'est cru. Voilà. Donc voilà. Bon appétit. T'as assez bien expliqué, c'est carré quoi. C'est carré. Ah c'est carré. C'est carré ma gueule. 8h, j'arrive à la salle. Et alors, on est une courbature géante. Ah ouais. De l'hyper. Aïe. De l'hyperespace. Ah laisse tomber. Les jambes, les becs de partout. Ah ouais. Ah ouais. C'est horrible. C'est horrible. Je me suis dit aujourd'hui je viens pas. Mais t'as ouvert les yeux ou pas? Ah non. Non. Tout du sol ce matin encore une fois. Comme d'hab. C'est dur mais. Avec le sourire. Les étirements. Ah putain, les mecs. Lolo, vu qu'on a commencé un peu en retard, Lolo il a dû partir avant. Oh, je suis un cadavre. Un vrai cadavre. Ouais. Putain, tu sens aussi le cadavre. Toi aussi. Ouais, j'ai fait des petites courses. Alex Lignac va passer à l'œuvre. Mais juste avant, je voulais vous présenter mon ancien prof de ski. Ah, on rigole, hein. À la piste noire ou... On se voit qu'il y en a qui travaillent. Ah, sur la scène des chevreuils. C'est mec de pipé, ça. Eh, avec les mecs du chantard. Mon prof de ski. Et ton prof de foot. Ah, ton entraîneur. T'es sûr? Non, de sumo. Ou de lutte. Bâtard. Et voilà, purée de patates douces, tomates mozza. Moi, je suis en alimentation light, hein, donc je me permets la mozza et les deux steaks hachés. Mmh. Et Nico, il est en... light aussi. Nous, à 8h du matin, on n'est pas très frais. Mais lui, il est bien peigné. Ouh là là. Regardez-moi t'es le poney. Le genre idéal. Bonjour. 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 T'es motivé? Oui. De faire les champs. J'ai des courbatures de partout, mais c'est pas grave. On va attaquer la séance jambes. C'est parti. Avec du soulevé de terre, ça fait plaisir. De ah. Podcaster. Ah. Je vous présente Godefroy. Vous avez vu les mecs qui téléphonent fort dans le tram, comment c'est chiant. Allô, toi t'es là, t'es haut quand même, j'essaie de réviser, je veux faire mon reste tranquille, j'ai pas demandé à écouter ta conversation. C'est chiant quoi, hein. Voilà. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Et puis participer au Tipeee, pareil, bonne journée. Aujourd'hui on va apprendre à comment draguer des meufs. Un jour je suis arrivé, j'ai vu une meuf, je lui ai dit « Eh, t'as entendu le tonnerre ?» Elle m'a dit « Pourquoi ?» J'ai dit « Parce que je viens d'avoir un coup de foudre. » Et voilà, bon il y a toujours lui qui fait rien. Lui qui bosse, qui passe sa moitié de son temps à genoux. Pardon, excusez-moi. Je suis sur les réseaux sociaux. Sur Instagram notamment, donc... Alors les réseaux, c'est comme les résés. Non, les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux. Café chaud de partout. Voilà, parce que si tu le dis pas, la pub elle est nulle. Voilà. Merci, tu peux montrer. Voilà. Voilà. Allez, donc pour Raph, c'est du colin avec 80 grammes de glucides. C'est du pain de seigle. Dessus, on a mis une toute petite fine pellicule d'avocat avec de la truite fumée. C'est pas du saumon, donc c'est beaucoup moins gras. Et là, putain... Épinard, putain, je me souvenais plus comment ça s'appelait. Ici, c'est la même chose,
sauf que c'est du filet de limande à la meunière, donc il y a un petit peu de panier. Voilà, ça bosse sur les nouveaux programmes. Et voilà, collation fromage blanc 0% avec de la stevia, 100% stevia. Mmh. Ouais, il est moins bien peigné qu'hier. Mais parce que hier j'étais un étalon. C'est encore des bonnets, j'ai du talent. Ouais, sans déconner, là on n'a pas des données, mais j'ai à décoller. T'es en train de discuter du jugement Boubacaris. Oui, tout à fait. Donc toi qui as eu mettre sur le bras le téléphone. Ouais, ouais. Lui. Il m'a dit quand même que c'était sévère, quoi, comme jugement, c'était sévère. En plus, il fait le malin au téléphone, sérieux. Hein. Et Bouba, il m'a même pas appelé pour me dire. C'est incroyable. Ça, c'est depuis que tu fais 102 kilos de muscle. Ouais. C'est ça. Au début de la transfo, il faisait le même poids que Booba. 1m92. 1m92. 1m73. Il fait 1m73. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle n'a pas besoin de la... Nous, blah. Nous, c'est tout en largeur. Dance challenge. Yeah. Tu gères maintenant. Donc là, en fait, c'est... On va lancer... Le dance challenge. Tous les matins une danse. Non, dès que à tout moment, il y en a un qui dit le dance challenge, vas-y danser. On a trouvé un bon nouveau. Nom. Voilà, on a trouvé un bon nom pour le challenge. Le Rafex Dance Challenge. Rafé chaud, voilà. Alex. Rafex, dance ensemble. Pour la danse, challenge pour le challenge. Faites ça chez vous et envoyez-nous les vidéos. Vraiment que vous mettiez le hashtag à chaque fois et vous nous taguez avec le Rafex Dance Challenge. Faut pas que danser, hein. Faut pas que des conneries. Non, quand même. On transpire aussi un peu, regardez-moi ça. Oh, j'ai une courbature que là. Aujourd'hui, c'était très dur. Alexandre. Alexandre. C'était horrible. Rafex. 3. Un Rafex à 3. Bibi a tourné. Eh oui, c'est des aubergines avec de l'œuf autour. C'est moi qui viens de le faire. Voilà. Pour faire une bonne parmigiana. On a une question existentielle. Qui nous tracasse. Qui nous tracasse, parce que bon, les bébés pensent. Oui. Les bébés pensent, les adultes pensent. Mais nous, on pense avec des mots. Ouais, certain. Nous, on pense avec des mots. Quand on pense, on est en train de dire, ouais, demain, faut que je fasse ça, j'ai ça. Mais bébé, comment ils pensent? T'as bonne question. Il radouille tout seul dans sa tête. On a du pressant. Oh, Rafex. Oui. Et Rafex pour pêche aussi. Oh, il est chouquin survêt. Tu veux voir le survêt un peu? Ah oui, c'est la nouvelle place. Tu seras dans mon vlog. Aujourd'hui, Ikea pour aller chercher les meubles. Oui, dressing. Dressing, le cappuccino. Oui. Vous la voyez pas dans ce vlog parce que elle habite chez sa sœur pendant les travaux. Parce que bon, faut faire attention au bébé. Et je déteste Ikea. Ils vont faire 8 km pour sortir du magasin, tu dois avoir vu tous les articles. T'es pas contente de son reflet dans la caméra, il y avait pas assez de volume. C'est mieux là, non? Ouais, c'est mieux là. Je vais aller chez le coiffeur ce matin, c'est pour ça. Et quand j'ai fini le boulot, eh ben c'est ça mon jouet. Ce matin. Bonjour. Je me fais lever à 8h le samedi.
tout ça pour faire la séance de muscu et se barrer, et je veux faire Wolf tout seul. C'est ce qu'il veut faire avec sa meuf. Enfin, pendant qu'elle fait beauty, il veut faire Wolf. Eh ouais, ouais, faut soutenir, hein, c'est tout. C'est là où ils ont tourné la pub Vaumaltine, je crois, non? Milka, sinon. Milka, voilà. On est en Savoie avec Lutofig pour une séance shooting photo qui est en train de se changer. Donc je vais pas filmer ça, je vais garder ça pour moi. C'est pour alimenter son compte Weddings, c'est ça. Exactement. C'est tout, c'est tout. Et moi je trouvais le cadre intéressant et ouais. Le paysage sympa. Avec une vue normalement sympa, surtout pour faire un rafex. Bon, la séance photo terminée avec Lutofig, le compte, il s'affiche juste là si vous voulez aller check les photos. Il est chaud Luto. Bon, la séance terminée, c'était dimanche. J'ai fait de la séance là dehors dans mon jardin. Je me suis fait littéralement bouffer par les moustiques, un truc de mal. Je sais pas si vous avez vu, des fois je faisais des exercices, j'étais là. Hardcore, je le ferai plus là-bas. On regarde la story de Lucille. Avec la plus jolie. C'est l'heure de passer à table. T'as faim? Ouais, très faim. Donc elle, avec son gros ventre là, elle va se régaler avec une bonne crêpe. Ouais. Et moi, non, franchement, ça avait appétissant. C'est une salade. Donc normalement, j'ai des glucides à midi. Là, j'ai pas pris de glucides parce que je savais que le poulet allait être pané et que c'est bah, y a des glucides autour du poulet et en plus c'est frit. Donc voilà. Bon appétit. Bon appétit. J'ai laissé un peu des croûtons. Et c'est l'heure de faire à manger le poulet. La moutarde. On a mis la moutarde. Et maintenant, on met le fromage à y épiner. Et voici les boulettes de poulet, salade endives, œufs et des petites graines. Et là, c'est salade de tomates du jardin de chez Charline. Et putain, il est chiant ce matin, il est chiant, il est très con ce matin. Mais non, mais je comprends, non. Qu'est-ce que tu fais? Mais t'es narvalou toi. Lui il peut manger ce qu'il veut. Y'a que l'OM qui compte. Non, c'est pas ma tête. Oh lolo, oh lolo, oh lolo. Oh lolo, oh lolo.